Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de tri de dressing et d'organisation de votre dressing. Alors pourquoi trier son dressing? Première chose, vous avez peut-être décidé de mettre en place une garde-robe capsule. Vous avez peut-être décidé de consommer un peu plus éthique. Vous avez peut-être décidé aussi de virer tout ce qui existe dans votre dressing et qui ne sert à rien et que vous mettez plus. Et vous êtes peut-être rendu compte aussi que finalement vous mettiez que 10% des pièces qui sont dans votre dressing. Car oui, dans toutes les pièces qu'on a dans notre dressing, on ne porte que 10% de ce qu'on a. C'est pourquoi en fait j'ai décidé aujourd'hui de vous faire cette vidéo pour justement vous donner mes clés pour trier votre dressing et surtout pour pouvoir l'organiser. Parce qu'en fait, trier c'est vraiment se dire voilà les pièces que je garde, les pièces que je donne, mais organiser c'est avoir une vision plus globale de son dressing et plus rapide. C'est-à-dire en fait c'est juste vous faciliter la vie le matin, vous faciliter la vie même dans le rangement de vos vêtements une fois que vous les avez lavés. Pour ma part, moi je l'ai fait ce tri de dressing, voilà. J'avais déjà commencé à le faire et en fait j'ai regardé clairement la série de Marie Kondo sur Netflix et j'ai eu le déclic, j'avais la fièvre du rangement. Voilà, je vais appeler ça la fièvre du rangement. Et je me suis dit voilà, il faut tout changer, donc j'ai pas fait que le dressing, j'ai vraiment fait tout, la salle de bain, la cuisine, enfin tout. Et pour ma part en fait quand j'ai fait ce tri, enfin on l'a fait avec mon copain, et on a plus de 8 sacs de courses, vous savez les gros sacs de courses là, 8 sacs en fait de fringues qu'on met plus et de chaussures qu'on met plus. En fait je me suis rendu compte que c'est un tri que j'avais pas fait depuis que j'étais étudiante et je me suis rendu compte que j'avais accumulé des tonnes de vêtements. Alors en fait de mon expérience, je me suis rendu compte qu'il y avait 3 étapes de tri. Donc, l'étape numéro 1 pour trier votre dressing, c'est un petit peu l'étape de base, l'étape je fais le ménage. Voilà, c'est le printemps, vous avez envie de modifier un petit peu votre dressing, donc clairement c'est un petit peu la méthode, je sais pas si vous avez vu la série sur Netflix ou si vous avez lu le livre de Marie Kondo, c'est vraiment mettre tous vos vêtements sur votre lit et vous dire je garde, je donne. Il n'y a même pas à réfléchir, est-ce que ça me va au teint, est-ce que ça va à ma couleur, c'est vraiment la base de votre tri, c'est vraiment prendre chaque modèle et vous dire, est-ce que j'ai plaisir à le porter, est-ce que je le porte, oui ou non. Donc là finalement vous allez faire 2 piles. La première pile c'est vraiment les pièces donc, que vous allez garder, et la deuxième pièce c'est les pièces que vous allez donner ou vendre. Donc pour toutes les pièces finalement que vous décidez de vendre ou de donner, donc il y a 2 choses, soit finalement vous avez des vêtements de marque, de luxe, peut-être des choses que vous voulez peut-être pas donner, vous préférez les vendre, donc il existe en fait plein de plateformes pour vendre, que ce soit Vinted, Vidressing et d'autres plateformes que je vous mettrai en lien de l'article, voilà dans l'article du blog, ou alors sinon vous pouvez donner vos vêtements. Donc là pareil, donnez vos vêtements, bah, y a plusieurs choses qui s'offrent à vous, bon soit le Emmaüs que tout le monde connaît, soit sinon vous avez Secours Catholique, Secours Populaire, vous avez la Croix-Rouge. Et aujourd'hui, donc il y a des points relais qui sont mis en place un petit peu dans chaque ville, c'est souvent c'est un peu des conteneurs que vous voyez dans la rue où justement c'est des conteneurs spéciaux pour donner vos vêtements, donner vos chaussures. Vous pourrez retrouver en fait sur leur site la fibre du tri. Où justement vous aurez, voilà, vous tapez votre adresse, vous pouvez vous géolocaliser, vous rendre compte de tous les points où vous pouvez donner vos vêtements. C'est super important, ils prennent pas uniquement les vêtements qui sont en bon état, ils prennent aussi les vêtements qui sont en mauvais état. Donc clairement votre chaussette solo ou les choses qui sont trouées, etc., vous pouvez les donner parce que ça va partir dans un circuit où justement ils vont réutiliser la fibre, essayer de les recycler, faire quelque chose avec ça quoi. Voilà, donc ça finalement c'est l'étape numéro 1. C'est le tri de base, on va dire, vraiment, qui va vous permettre déjà de décrémer et de laisser beaucoup plus de place dans votre dressing. Ensuite, on passe à l'étape numéro 2 du tri du dressing. Donc l'étape numéro 2, je l'ai appelée « je me connais ». J'apprends à me connaître. Finalement, c'est ça. C'est vous avez commencé à faire votre premier tri, donc les choses que vous gardez, les choses que vous donnez. Ensuite, ce qui va être vraiment important, c'est vous posez en fait une question sur vous et vraiment vous intéresser à vous, vous connaître vous, ce que vous aimez porter, quelles sont les couleurs qui vous vont, donc finalement quelle est votre colorimétrie, quelle est votre morphologie, donc les pièces qui vont ou pas à votre morphologie. Ça va vous permettre en fait de, bah, en faisant ce travail, de pouvoir faire un nouveau tri.
Souvent, ce que vous avez éliminé dans le tri numéro 1, c'est les choses qui vous vont pas au teint. Donc, j'en sais rien, par exemple. Moi, je sais que j'avais acheté des pulls un peu violets, rose parme. C'est des choses qui vont pas du tout au teint. Parce que je suis une saison automne et les couleurs là, ça me va pas du tout. Donc, en fait, finalement, c'est des pièces que j'ai achetées, que je portais pas, que j'ai gardées dans mon dressing parce qu'elles m'avaient coûté un certain prix. Et en fait, je les porte pas parce que ça me va pas. Donc, ça, souvent, peut-être vous les avez éliminées dans le tri numéro 1, sinon elles vont passer dans le tri numéro 2. Donc étape 2, c'est je me connais, donc ma colorimétrie, ma morphologie, et vous faites une deuxième étape de tri sur vos vêtements. Et ensuite vient l'étape numéro 3 de votre dressing. Donc l'étape numéro 3, c'est l'étape si vous êtes en marche de créer une garde-robe capsule. C'est-à-dire que vous avez donc commencé à faire votre travail sur votre colorimétrie, sur votre morphologie, vous avez défini votre style vestimentaire, et finalement vous avez commencé à classifier par saison vos couleurs et les pièces que vous voulez garder. Parce que comme vous le savez, une garde-robe capsule, c'est à peu près 30 pièces par saison, mais des pièces finalement qui vont pouvoir faire leur chemin. De l'automne à l'hiver, de l'hiver au printemps peut-être aussi. Donc l'objectif, c'est vraiment ça. En fait, une fois que vous aurez défini les couleurs de votre colorimétrie, ça vous permettra de vous dire « Ok, bah finalement, toutes ces pièces-là, même si je les avais gardées, c'est des pièces qui vont pas aller dans mon dressing minimaliste. » Donc, hop, pareil, je les donne. Donc vraiment, si vous suivez ces trois étapes de tri, ça va vraiment vous permettre, step by step, de trier votre dressing. Parce qu'en fait, sur la première phase où vous arrivez à trier votre dressing, il n'y a pas tout qui part. Obligatoirement, il va rester quelques pièces. Le fait de vous connaître mieux sur vos couleurs, sur votre morpho, ça va refaire un tri. Et le fait de réfléchir à votre garde-robe capsule, ça va refaire un tri encore. Donc finalement, à la fin, vous aurez vraiment que les pièces indispensables, que vous aimez, qui vous vont, qui sont de bonne qualité, qui sont bien fabriquées, qui sont peut-être éthiques ou pas. Parce que l'objectif du tri de dressing, c'est vraiment de trier. C'est pas de réfléchir, je veux uniquement un vestiaire éthique. Non, ça, ce sera dans une autre étape. Ça sera quand vous voudrez peut-être racheter des pièces pour votre garde-robe capsule, et là, vous commencerez à vous poser la question, peut-être ou pas, sur est-ce que la pièce est éthique, ou est-ce qu'elle est fabriquée, quelle matière c'est, etc. Le tri, on prend pas en compte la partie éthique et responsable, en fait, des vêtements. Ça passe dans la seconde phase où, finalement, vous allez décider de racheter des vêtements pour créer votre garde-robe capsule ou pour la combler. Donc, une fois que vous avez trié votre dressing, c'est bon, vous avez l'esprit libre, vous êtes bien, il y a beaucoup moins de choses. Déjà, je pense que moi, ça me l'a fait, mais je pense que vous, ça va vous le faire, on se sent mieux. En fait, on se sent mieux d'ouvrir son placard et de se dire, mais il n'y a pas tout qui déborde là, où il y en a partout. En plus, on n'a pas très bien organisé son dressing, donc il y en a partout, il y a plein de couleurs, il y a plein de choses. Ça va être beaucoup plus simple pour vous, et quand vous allez ouvrir votre placard, on se sent mieux. Clairement, en fait, le résumé, Caroline, arrête de trop parler, le résumé c'est vraiment ça, trier son dressing, finalement c'est un peu trier sa tête aussi et se sentir mieux. Donc l'étape d'organiser son dressing. Organiser son dressing, c'est une chose hyper importante aussi. Pourquoi ? Parce qu'en fait ça va de 1 vous faciliter la vie le matin quand vous allez vouloir vous habiller, et ça va aussi vous permettre d'avoir une visibilité globale en fait sur les pièces que vous avez. Donc mon conseil numéro 1 pour organiser son dressing, c'est déjà de séparer vraiment vos vêtements travail, vos vêtements de bureau, vos vêtements de la semaine d'un côté, et d'un autre côté vos vêtements du week-end, vos vêtements de sport, vos pyjamas, vos sous-vêtements, tout ça, un deuxième paquet. Ensuite, donc pour chaque pile, vous allez les classer et les organiser différemment. C'est-à-dire que pour toute la pile de vos vêtements week-end, pour vos sous-vêtements, pour vos vêtements de sport, vos pyjamas, etc., vous allez plutôt les ranger et les plier à la façon Marie Kondo. Moi, c'est ce que j'ai fait, et clairement, c'est top. C'est top parce qu'en fait, on voit beaucoup mieux, on voit mieux les couleurs, la façon dont c'est classé, le fait que ce soit dans les petites boîtes, etc., c'est beaucoup plus simple. Et donc, pour toute la partie de vos vêtements bureau, semaine, je vous conseille de les pendre. Clairement, parce qu'en fait, ça va vous permettre d'avoir une vision qui va être beaucoup plus large sur vos vêtements. En plus de les pendre, il va falloir les classer par catégorie, c'est-à-dire vous allez avoir les tops, enfin les débardeurs. Les tops, vous allez avoir les vestes, les pantalons, les robes, les jupes. Si vous pouvez, vous pouvez aussi les classer par saison. Alors moi, personnellement, j'ai tout mis, et vraiment les robes été, je les ai vraiment mises sur le côté. Enfin, je vais vous montrer après dans la vidéo, mais je les ai vraiment mis sur le côté. Donc vous classez par catégorie de produits et vous les classez par couleur aussi. Donc c'est-à-dire que vous commencez, vous faites un dégradé de couleurs, vous mettez les blancs, les moutardes, les verts, les rouges, les bleus, etc. Ça va vous permettre aussi de... J'en reviens toujours au même truc, mais en fait visuellement,
c'est organisé. Et visuellement, le matin, quand vous allez vous lever, vous allez préparer vos pièces, ça va être beaucoup plus facile en fait à vous dire, ok, là vous avez votre dressing devant vous, donc tac, je prends tel top, tel pantalon, telle veste. Voilà. Et il n'y a pas de je cherche, etc. Je suis pas pour en fait classer toutes les catégories de vêtements par couleur, c'est-à-dire vous avez tout le vert, donc vos tops, vos pantalons, vos vestes, etc. Je trouve que c'est beaucoup mieux de classer par catégorie. Voilà. Top, veste, pantalon, et à l'intérieur de chaque catégorie, classé par couleur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous donner mes conseils vraiment personnels et ce que j'ai appliqué pour trier et organiser son dressing et surtout se faciliter la vie, parce que le but c'est ça, c'est... Ça prend du temps de faire tout ce tri, ça peut être chiant, mais en fait, après, vous respirez. Clairement, vous respirez, je vous conseille de le faire, même si c'est chiant. De vous pousser, de vous dire allez j'y vais et de trier vraiment d'organiser votre dressing. Vous le savez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un petit j'aime. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, à les mettre en bas de la vidéo. Et je vous mets un lien vers l'article de blog où justement je reprends vraiment bien toutes ces étapes avec des photos. Et je vous mets aussi les liens pour savoir où donner ou où vendre ces vêtements. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.